La galère va durer plus longtemps que prévu pour les passagers du Costa Allegra. Le remorquage du paquebot de croisière se poursuit au milieu de l'océan Indien. La compagnie refuse l'aide de remorqueurs plus rapides proposée par les Seychelles afin de ne pas perturber l'opération, dit-elle. Mais pour les autorités seychelloises, la raison est économique. Costa ne veut pas payer et fait passer l'intérêt financier avant celui de ses voyageurs. Des voyageurs contraints donc de patienter jusqu'à Mahé, la principale île des Seychelles. Arrivée prévue demain matin, plusieurs heures d'attente supplémentaire donc pour les 1000 personnes à bord, bloquées dans des conditions spartiates, sans électricité ni climatisation. 600 places d'avion ont d'ores et déjà été réservées pour leur rapatriement en Europe.